sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour le vlog du mois d'avril. Je suis Avril, le plus joli de tous en honneur et vaillance. Je vous retrouve donc tout de suite pour la première séquence. Dans cette séquence, je vais vous présenter quelques jeux qui ont un petit peu, selon moi, cette énergie du mois d'avril. Sans que ce ne soit déjà une liste exhaustive, très certainement pas. Et puis, vous savez très bien que moi, je suis plutôt du genre à aller chercher le jeu qui va répondre à ma question. Quand j'ai un questionnement, je me dis, bon, quel jeu va pouvoir bien me répondre à ça? Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne travaille quand même pas avec un petit peu des jeux selon les saisons. C'est évident que je n'ai pas trop envie de sortir un jeu de Noël pour le moment. Ou un jeu qui me rappellerait vraiment l'hiver, vous voyez. Après, dans ma collection, j'ai des jeux qui ne sont vraiment pas typés saison. Donc déjà, ceux-là, ben, je les utilise toute l'année. Et puis, si même il y a un jeu qui peut-être serait un peu plus typé, mais qui pourrait me donner une réponse, je n'hésiterai pas à aller le chercher. Donc, dernièrement, j'ai repris ce jeu-là, puisque vous avez vu ou vous allez voir, puisque je ne sais pas comment je vais monter les séquences du vlog, que j'ai acheté dernièrement l'oracle des saints de Marie Delclos, et notamment dans le but d'avoir un jeu qui va me permettre de vous associer des cartes au mois en cours pour les vlogs à venir. Et ça m'a donné envie de revoir un petit peu les jeux de Marie Delclos que je possédais, parce que là, ça commence à m'en faire plusieurs. Je pense que je les ai tous, sauf celui sur les anges. Et en tout cas, j'ai celui-là, le grand jeu divinatoire du cristal. Et j'avais rouvert la boîte. Et j'avais reparcouru les cartes. Et en fait, je m'étais dit qu'il y avait quand même pas mal de cartes. Par exemple, celle-ci. Bon, évidemment, les cartes de feu, ça reste peut-être moins léger. Mais bon, c'est quand même le feu qui reprend hein, au printemps. Bon, celle-ci, clairement, elle n'est pas printanière, on est d'accord. Mais je trouve que dans les cartes ici, on a quand même une énergie, des couleurs qui peuvent me faire penser vraiment à cette énergie printanière. Regardez celle-ci, même celle-ci, hein, avec l'abondance, certes, qui est intemporelle, mais on a des fleurs. Même cette carte de l'eau, je trouve que des coloris, je ne sais pas, ils m'ont attiré, en fait. Même celle-ci, je lui trouve une énergie un peu printanière, alors que, bon, puisque c'est un chakra, c'est intemporel. On est bien d'accord. Mais même ici, regardez, il y a des roses. Ouais, vous allez me dire que les roses au mois d'avril, c'est un peu tôt, c'est vrai. Mais on est dans cette énergie où on a envie des fleurs, où on est dans cette énergie déjà de la nature qui se réveille. Et bon, peut-être que c'est un peu anticipé. Ah, je suis hors du cadre. C'est peut-être un peu
anticipé, mais néanmoins, c'est vraiment un jeu. Enfin, ça m'a donné envie de le ressortir. Et je l'ai utilisé déjà maintenant, alors qu'on n'est même pas encore en avril, puisque je vous tourne cette séquence fin mars. Alors, ensuite, eh bien, des jeux que j'ai achetés récemment et que je vous ai déjà présentés en review, donc je ne vais pas trop m'attarder, mais il y a La Poésie des Jokers, qui est le petit Lenormand d'Hélène Ciotat. Donc, un jeu auto-édité. Je pense qu'elle en a encore. Parce que quand je l'avais contactée, donc moi je l'ai, c'est quand même récent, hein. Ça ne fait pas un mois que je l'ai. Ça fait, je sais pas, une grosse semaine, peut-être 2 semaines que je l'ai là, donc fin mars. Ouais, ça doit être ça. Et elle m'a dit que, quand je lui ai demandé si elle en avait encore, elle m'a dit oui, cette fois-ci, je crois qu'elle a fait 200 de son jeu. Donc, elle en a encore. Regardez ce cœur s'il n'est pas printanier. Et donc, voilà, et même le bouquet. Bon, évidemment, le bouquet est souvent printanier dans le petit Lenormand, mais pourquoi pas, on pourrait très bien faire un bouquet de fleurs qui est moins printanier. Alors, j'ai aussi sorti un jeu. Évidemment, j'ai souvent envie de me reconnecter aux fées, mais je vous en ai déjà montré en mars. Donc, j'ai décidé d'en sortir un autre. Donc, la sagesse, la douce sagesse des fées, donc de Sacha Saint-John. Mais je ne sais pas si il est encore disponible. Mais parfois, je crois qu'on le voit quand même passer d'occasion. Et si vous avez de la chance que la personne ne sait pas, enfin ne connaît pas le prix des jeux qui sont plus édités, donc on a un petit livre tout en couleur. Vous aurez peut-être l'occasion de l'acheter à un prix correct. Après, à la base, c'est un des seuls jeux que j'ai acheté en magasin pendant mes vacances, je vous le dis. Et en fait, le prix n'est pas indiqué sur la boîte, mais je me rappelle que pour une petite boîte comme ça, le prix m'avait quand même pas paru si peu élevé. Je crois que je l'ai quand même payé une trentaine d'euros. Donc pour un oracle, c'est quand même beaucoup. Surtout que je l'ai depuis quelques années. Et donc, à cette époque-là, 30 euros pour un oracle qui ne comporte pas non plus tellement de cartes que ça, bah, je vais dire, c'était quand même déjà un prix conséquent. Après, je l'ai acheté dans une petite boutique dans la ville où je vais en vacances. Et je pense qu'elle pratique des prix quand même relativement élevés. Je l'aurais probablement eu moins cher sur une grande plateforme. Voilà, il faut bien qu'elle se fasse sa marge bénéficiaire, mais bon. Voilà. Mais je le trouve avec une énergie toute printanière. Et vraiment, ben j'ai vraiment envie d'un petit peu le ressortir. Je le trouve très très beau. Donc, La douce sagesse de Sacha Saint-John. Et donc, il est chez AGM, si jamais vous le recherchez. Mais je sais que je l'ai revu passer, en tout cas, d'occasion. Donc, il y a moyen de le trouver. Ensuite, j'ai voulu aussi vous présenter celui-ci, qui est un tarot. Alors, la boîte est toute blanche, je l'ai customisée. Il s'appelle le Naturescape. Et c'est un jeu qui est disponible uniquement sur MPC. Il faudra vraiment que j'aille revoir le nom de la créatrice et l'écrire sur la boîte, parce que je l'oublie chaque fois, donc je ne peux plus vous dire le nom.
de la personne qui l'a créé, c'est un tarot où il n'y a que des photos de paysages. Et bon, le printemps étant la saison où je recommence à sortir un peu, parce que bah, je l'ai déjà dit, je n'aime pas le froid, je déteste le froid même. J'ai pas trop tendance à sortir. Par contre, là, il fait encore un peu trop frais pour le moment. Bien que les températures se remontent un peu, mais généralement, les jours où il fait plus clair chez moi, où il y a du soleil, par contre, la température refroidit un peu. Et dès que les températures sont plus douces, je vais aller me faire des petites séances de tirage en pleine nature. Et je vous filmerai des petites séquences. Comme ça, je vous ferai de temps en temps une petite vidéo, comme ça, un petit vlog sur mes tirages en pleine nature. J'ai eu des choses hallucinantes. Notamment avec ce jeu, pas que, mais notamment avec celui-ci, où je me suis posée dans un endroit et où j'ai tiré une carte et où quasiment je retrouvais le paysage où j'étais sur la carte. J'ai eu des choses hallucinantes. Voici le dos. Et donc, c'est un tarot que je trouve très, très frais. Et voilà, il est particulier puisque vous n'avez que des paysages. Donc, il faut remettre les paysages en lien avec la signification de la carte ou alors s'en éloigner. C'est à voir comment vous voulez l'utiliser. J'ai aussi ressorti mon petit tarot de Claude Monet, donc qui est sur les peintures des impressionnistes, que moi j'ai acheté d'occasion, mais je pense qu'on peut encore le trouver. Donc ça a été édité par Kateka Boutique et ils ont une boutique Etsy et ils vendent d'autres tarots. Voici le dos que j'adore. Et donc, il a été fait à partir des peintures impressionnistes. Et même si, évidemment, toutes les cartes ne sont pas nécessairement printanières, c'est quand même un jeu très nature et qui, pour le coup, m'a donné envie de le ressortir. Alors, c'est un peu la même chose qu'avec le Naturescape. Soit vous prenez la convention d'utiliser la signification de l'arcane. Ici, vous avez des mots-clés. Donc, vous pouvez aussi dire, j'utilise les mots-clés. Il y en a certains qui correspondent au rider. Il y en a d'autres où c'est pas tout à fait ça. Enfin, en tout cas, selon moi. Ou alors, vous vous laissez inspirer par la peinture que vous avez sous les yeux. Et donc, vous l'utilisez un petit peu comme un oracle. C'est à voir. Il y a plusieurs possibilités avec ce jeu. Et ce qui est chouette, c'est que finalement, on peut, à chaque tirage, définir sa convention. Et donc, ça change un petit peu l'utilisation du jeu. Ensuite, le Rabbit Tarot, dont je vous ai fait la présentation il n'y a pas très longtemps. Et j'avais dit que j'allais l'utiliser effectivement à cette saison parce que je lui trouve des couleurs très, très printanières. Donc là, vous avez déjà les marguerites. Puis là, il a les carottes. Et puis, on le voit quand même beaucoup, 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 ce petit rabbit. On le voit quand même beaucoup, beaucoup dans la nature. Il n'est pas beaucoup à l'intérieur. Et donc, voilà, j'ai trouvé, même ici, hein, on voit qu'il est à l'intérieur pour le roi, mais pour le coup,
les couleurs sont quand même très 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 printanières. Voilà. Et puis bon, bah, c'est un lapin. Et le mois d'avril va être le mois de Pâques. Et donc, voilà, ça me donne envie de l'utiliser. Ça me donnera l'occasion de l'utiliser. Bon, bah, alors là, je ne sais pas pourquoi toutes ces cartes-là sont à l'envers. Puisque je ne tire pas les cartes à l'envers, je ne les utilise que bah, dans des positions de blocage, bien sûr. Mais je ne tire pas en droit envers, sauf des jeux très très spécifiques qui sont vraiment conçus pour ça. Sinon, non. Ah ben, je ne sais pas. Ça devait être un de mes tirages que j'ai remis pas dans le bon sens, à mon avis. Voilà. Donc, de Rabbit Tarot, qui est encore disponible, je pense, sur le site de la créatrice. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma présentation qui est récente. Ensuite, le Meraki Tarot que j'ai acheté au mois de janvier, si je ne me trompe, mais qui... Bah, que j'ai laissé dans sa boîte pendant longtemps. Je vous ai fait la présentation quasiment en unboxing. Et après, en fait, je savais que c'était pas encore le moment de l'utiliser. Et là, maintenant, je commence à avoir envie de l'utiliser. D'ailleurs, vous allez voir que les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que je l'ai utilisé ici eh bien ce jour, aujourd'hui. Voilà, c'était mon premier vraiment tirage avec le Meraki Tarot. Et vu qu'il est quand même très très nature lui aussi, donc on a vraiment bah, de la faune et de la flore en fait, hein. Pas d'humain sur ce tarot. Ça me donne vraiment envie de l'utiliser à cette période. Regardez cette carte. Si elle ne fait pas belle saison, alors on serait un peu difficile, je pense, hein. Et regardez celle-ci. Moi, elle m'évoque vraiment la fête de Pâques. Avec les nids. Et alors, bien sûr, ce sont des cristaux dans les nids. Mais si on n'y regarde pas de trop près, on a l'impression d'avoir des œufs de Pâques colorés dans des nids. Et puis, on a quand même le ciel avec ses couleurs. On a quand même cet arbre en fleurs. Bref, il m'évoque quand même assez bien cette énergie que nous allons avoir au mois d'avril. Voilà. Encore une. Le 3 de Pentacle que j'avais dans mon tirage. Voilà. Alors. Encore. Encore un autre que je vous ai montré récemment. Le Hopping Soul, le Normand. Et je vous ai dit que ça tombait bien comme la poésie des Jokers que je venais de les recevoir puisque je leur trouvais effectivement des couleurs et une énergie printanière. Donc, je vais aussi pas vraiment me le réserver puisque je vous ai dit hein, en début de vidéo. Pas comme ça que je fonctionne, mais je vais me le laisser près de moi et donc j'aurai quand même relativement tendance à le sortir peut-être un peu plus souvent. C'est juste que si dans les jeux que j'ai autour de moi, je n'en vois aucun
qui m'attire au moment de faire le tirage, alors à ce moment-là, j'irai en chercher un autre qui peut-être n'aura rien à voir avec l'énergie de la saison. Alors, je vous avais évidemment montré le Ostara Tarot pour l'orbe de Mars. Mais là, puisque j'ai réussi à me procurer la version en français, le tarot Ostara, ça me donne vraiment l'envie de continuer à l'utiliser. De toute façon, c'est un jeu que je voulais encore utiliser toute la saison du printemps. Et je trouve qu'il a aussi, de toute façon, des cartes qui font vraiment Pâques. Et comme Pâques, cette année, est au mois d'avril, eh bien, et donc, et même pas début avril, hein, donc vraiment au milieu du mois, eh bien, c'est vraiment un jeu que je continue à avoir envie d'utiliser. Puis de toute façon, je le trouve tellement intéressant que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de l'utiliser. Regardez-moi ça. C'est très, très, très mignon. Et voilà, j'ai vraiment envie de l'utiliser ce mois d'avril. Et puis j'en ai encore deux. Alors, il y a celui-ci qui est le tarot ésotérique du monde des fées, qui malheureusement n'est plus trouvable pour le moment, sauf d'occasion. Si vous avez donc la chance de le trouver, parce que je trouve que les coloris sont vraiment très 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 printaniers. Donc, parce que il était chez Ada, et donc voilà, je pense que malheureusement il n'a pas été repris chez Exergue, qui pourtant a souvent repris les jeux de chez Ada. Mais ne désespérons pas, parce que les derniers temps, il y a quand même eu pas mal de rééditions, de réimpressions de jeux. Je pense au tarot doré, justement, qui était chez Ada avec le livre de Barbara Moore, qui avait été repris dans une édition, chez une édition française, je ne sais plus laquelle, pourtant je l'ai. Mais avec un livre qui avait été écrit par Joséphine Ellershaw, mais donc traduit aussi de l'anglais, bien sûr. Et puis qui est ressorti relativement récemment avec le livre de Barbara Moore. Je pense que ça doit être chez une des filières de Trédaniel, je pense. Donc, ne désespérons pas, parce que c'est un jeu qui est quand même fort recherché. Donc, voilà. Et donc, par exemple, voilà, l'As de Pentacle, je le trouve quand même... bon, voilà. Vous voyez, les coloris sont très, très... sont très clairs. Très ensoleillés, je dirais. Et donc, il reflète bien les énergies de ce moment. Et enfin, le dernier que j'ai déjà utilisé dans le vlog pour vous en montrer une carte, c'est la magie des fleurs de Tess Whitehurst, qu'encore une fois n'est plus disponible en français, puisque, encore une fois, chez Ada, avec un magnifique livre d'accompagnement tout en couleur. Il est tellement beau. Par contre, pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, moi, je l'ai vu passer d'occasion en anglais à des prix, mais juste à 15 euros, quoi.
Donc, si il vous plaît et que l'anglais ne vous dérange pas trop, eh bien, faites quelques petites recherches et je pense que vous allez pouvoir le trouver assez facilement. Je pense que les jeux en anglais sont aussi tirés à beaucoup plus d'exemplaires. Et donc, c'est vrai que. Et puis, sont plus souvent réédités et réimprimés, je pense. Et c'est vrai que souvent, des jeux qu'on ne trouve plus en français, on les trouve encore en anglais à des prix tout à fait raisonnables. Maintenant, après, quand on ne les trouve plus en anglais non plus, les prix peuvent flamber. Parce que actuellement, les jeux de Dorin Virtue, donc ils ne sont plus réimprimés en anglais, alors que pour le moment en français ils le sont encore. Il y a encore des exemplaires imprimés, ou bien les contrats durent encore quelques années. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas des informations précises, mais je suis d'assez près le marché de l'occasion. Et je vais souvent sur Amazon pour regarder les disponibilités des jeux. C'est un petit peu une de mes références. Et en français, ils sont encore tous disponibles pour le moment. Donc d'occasion, vous les trouvez à des prix ridicules, alors que je les vois passer en anglais à plus de 50 € le jeu, voire 100 et des euros. Parce que je pense qu'en anglais, il reste peut-être encore quelques exemplaires qui ont déjà été imprimés, mais ils ne sont plus réimprimés ni réédités. Alors que je pense que les contrats avec les maisons d'édition françaises courent toujours, puisque c'est souvent pour autant de temps, et que fatalement, eh bien, les contrats de traduction sont toujours postérieurs aux contrats de première édition. Voilà. Donc ça, c'était la petite explication pour les jeux que vous pouvez encore trouver en anglais, dont celui-ci, dont celui-ci. Le Ostara Tarot, il va sortir, hein, le Tarot Ostara. Celui-ci n'est encore disponible. Celui-là, je ne pourrais vous dire. Je ne sais même pas. Je ne sais pas s'il avait été, s'il est sorti en anglais, celui-là. Je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, pour le tarot ésotérique du monde des fées, on peut le trouver en anglais. Et la magie des fleurs, on peut le trouver en anglais également. Donc voilà pour quelques jeux avec une énergie relativement, que moi je trouve relativement compatible avec ce mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.